c'est la danse gourna, qui chez les Tupouris se danse à l'âge adolescente. Nous sommes venus donc accueillir le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui, comme président national de la campagne, coordonnateur national de la campagne pour le double scrutin du 9 février 2020, est venu également soutenir les siens, n'est-ce pas, dans la région de l'extrême nord. Ce groupe Gourna que j'ai amené depuis le maillot d'Anaï Sud est donc venu, n'est-ce pas, également à l'appui de cette campagne qui est vraiment très vive et intéressante sur le terrain. Pour l'instant, les sillons sont ouverts et nous pensons évidemment qu'au soir du 9 février, ces sillons-là vont se confirmer, n'est-ce pas, dans l'Eure. De nos passages, n'est-ce pas, dans les différents arrondissements, dans les différents secteurs, l'adhésion, n'est-ce pas, à la politique du vivre ensemble pour le développement du maillot d'Anaï Sud, du candidat Tabouli Célestin, n'est-ce pas, cette adhésion est massive. Et les militants sont enthousiastes et nous pensons véritablement que cette politique est en train de mordre et que, évidemment, au soir du 9 février, le candidat Tabouli Célestin pourra remporter le seul siège, n'est-ce pas, mis en jeu dans le maillot d'Anaï Sud. Je suis un candidat qui se veut réaliste et qui voudrait accompagner le développement, n'est-ce pas, dans cette partie du pays. Comme nous l'instruit, n'est-ce pas, le président de la République, nous devrons être, n'est-ce pas, des candidats proches, n'est-ce pas, des populations. C'est pour cela que depuis pratiquement 3 ans, j'ai commencé à réaliser, n'est-ce pas, de petites choses sur le terrain en faveur de nos populations. Et cette population déjà est acquise, presque acquise, n'est-ce pas, à la faveur, n'est-ce pas, du candidat Tabouli Célestin du RDPC. Et nous, au RDPC, nous promettons et nous réalisons. Et c'est pour cela que depuis 3 ans, comme je l'ai dit tantôt, je fais des dons de table banc, quelques forages, n'est-ce pas, au profit de nos populations. Et je pense que pour l'instant, nous sommes optimistes quant à l'issue, n'est-ce pas, du scrutin du 9 février 2020.